Ben le salut, du love et des bizous les amis, c'est le Donald SNCN. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur un jeu que vous aimez bien. Il s'agit des Sims 4. Et oui les amis, épisode numéro 6 déjà de cette aventure incroyable sur les Sims 4. Donc la vidéo s'appelle les Sims 4, mon aventure, celle du Donald SNCN. Mais il y avait évidemment plein de personnages qui vont être mis en avant dans les prochaines semaines et les prochains épisodes à venir. Donc on va faire un petit résumé de ce qui s'est passé dans les tout premiers épisodes jusqu'à aujourd'hui. Dans la globalité, et ce qui va se passer comme objectif également. Premier épisode, le Danalex a décidé évidemment de créer sa petite maison, etc. Ensuite, nous avons fini la création de la maison, commencé notre métier de cuisinier, dont on doit atteindre l'objectif du niveau 10 de cuisine de promotion, enfin le niveau maximum en tout cas de promotion possible. Nous avons installé une nouvelle personne dans la famille, qui s'appelle Léa Parkson, une colocataire qui est aujourd'hui devenue tout simplement. Ma petite amie, voilà, lors du dernier épisode, vous l'avez vu, hein, petite amie tout simplement du Don Alex NCN, qui elle travaille dans la musique, elle a déjà une promotion d'ailleurs de son côté, et on a décidé de lui mettre aussi des objectifs hein, pour cette session de Sims, on en parlera juste après. Nous avons aussi rencontré des voisins, alors il y a des voisins que j'avais installés dans le jeu qui s'appelaient Natasha Parnason et Monsieur Belfire, je crois que c'est John Belfire, je sais plus exactement son prénom. En tout cas, on va essayer de les rencontrer le plus vite possible, comme ça on pourra faire des liens d'amitié, etc. On a déjà eu même Natacha qui est venue plusieurs fois chez nous. Alors, les objectifs de cette aventure pour l'instant, c'est le Don Alex niveau 10 de carrière, de job, niveau 10 en fitness, niveau 5 en mixologie, évidemment, puisqu'il doit apprendre la mixologie, et également essayer d'avoir plus de recettes de cuisine, etc. Bon, ça c'est pas encore un objectif, mais bon, on essaie de faire ça du mieux qu'on peut. Avec Léa, on a des objectifs niveau 5 en écriture. Nous avons aussi le niveau 5 en cuisine. Et évidemment, essayer de faire au moins 5 livres, évidemment. Comme ça, au moins on est tranquille. Pour l'instant, c'est des objectifs qu'on a. Donc, on va pas faire plus que ça pour le moment. Mais bientôt, il y aura des stars que vous connaissez de la télé de tous les jours, de la musique, etc. que je vais intégrer dans le jeu et qui apparaîtront. En tant que personnage, évidemment. Bon, je vais mettre en route du coup le chrono parce que à chaque fois je fais pas comme je veux les nombres de minutes d'épisode. Des fois je dépasse, des fois j'en fais pas assez. Donc là je pars pour 30 minutes à partir de maintenant. On est parti, on reprend l'aventure de mon côté. En tout cas, j'espère qu'elle vous plaît bien. La souris qui est en train de bouger toute seule, elle bouge, hop, allez, là elle bouge toute seule, allez, hop. Parce que ça glisse évidemment. Allez, on est parti. Point d'oracle des jumeaux, donc nous sommes samedi matin. Voilà, ils dorment tous parce que ben, forcément, voilà, c'est la nuit ils dorment tous les deux. Donc, ils travaillent tous les deux du soir, je crois, au moins qu'ils ont changé d'horaire. Elle travaille 17h-23h. Le Don Alex, j'ai envie d'avoir le. Le problème avec ma souris, ça commence très très bien, cette aventure incroyable. Je vais essayer de tourner le. Voilà. Alors, 18h-22h, voilà. Donc, du coup, ils ont vraiment des horaires de soir, c'est bien la journée, ils peuvent passer du temps ensemble et tout. Donc Alex, nous avons vu qu'il est. Alors pour les jobs, on a vu qu'il fallait qu'ils aient des objectifs d'atteint. Donc là, Alex, tant qu'il n'y a pas le 3 niveau de mixologie, c'est mort. Mais on va pas le faire faire maintenant. On va essayer de lui mettre. On va nettoyer ça ou pas? Et on prend un morceau maintenant. Prends un morceau maintenant, mec. Avant que ce soit plus bon. Bah, tu régales. On va regarder ce qu'il pourrait faire d'autre. Bah là, vu qu'il est bien, je trouve. Alex, il est heureux. C'est incroyable. Je pense qu'on va. Nettoyer ça après, voilà. Et mixologie, on va la monter niveau 3. Donc, mixologie, engager un mixologue, préparer une boisson. On va préparer un zèbre pétillant. Voilà, comme ça, au moins, l'Alex il va régaler avec sa mixologie. Passons à la petite Léa Elder. Alors, j'ai acheté un lit double, bientôt ils dormiront ensemble. On va pas non plus presser les choses. Attendant, Alex il monte sa compétence, tant que Léa se réveille, hop. Voilà, il fait sa petite boisson, il prépare ça, il régale. Voilà, tout simplement, il régale. Voilà. Attends, Alex, non, non. Entraîne-toi à préparer des boissons. On s'en fout de pour l'instant ce qu'il y a à faire. L'objectif, c'est vraiment que tu passes niveau au-dessus pour ton boulot, quoi. Et il faut être niveau 5, de toute façon, c'est un objectif, c'est être niveau 5 en mixologie. Comme ça, au moins, on sait que mon niveau de job, il est bien, au niveau de compétences. Ok, Léa vient de se réveiller, on va voir ce qu'elle pourrait faire de beau. Elle a la dalle. Elle a la dalle, Léa, ça va pas prendre. Des restes et en plus quand elle aura encore faim elle prendra le brunch ce sera un pancake voilà simplement ça la régale
Elle mange, etc. Faut qu'elle mange. Faut qu'elle mange. Faudrait aussi. Bah, ça, c'est Alex qui va le faire. Hein. Il nettoiera. Ce fou-là, il laisse tout traîner. Après, il faudrait qu'il parle à deux un petit peu. C'est la journée, là. Alex, il est heureux. Il est en couple. Il est content. Hop, sa vie, elle est belle. Ok, on va attendre qu'il passe niveau maximum, au niveau dessus. Voilà. Alors, niveau 3 de mixologie. Alex a appris la recette du Redport. Redport. Je sais pas comment on dit en anglais. On va dire que c'est ça. Ok, Alex, c'est plutôt bien. Let's go. Let's go. Abandonne ça. On va aller ici. Après, on va parler avec Léa. On va nettoyer ça. Ça traîne tranquillement ici. Un peu de télé, d'ailleurs. Regarde un peu de télé. Un peu de divertissement. On voit que c'est pas encore assez haut, le divertissement. Voilà, elle régale. Elle mange deux plats. Je l'ai dit. Hein. Elle va régaler deux plats parce qu'il faut. Regardez, niveau cuisine, elle monte. Hein. La petite. Ah, par contre, t'as pas fait ça pour rien. Ah oui, d'accord, la petite douche avant, c'était prévu. Prévu de faire à manger, faire une douche. Tout le monde fait son avis, hein. C'est-à-dire qu'on fait à manger, notre plat est prêt, il est chaud, on passe sur la table, on prend une douche, on finit la douche, on mange. Personne fait ça. Moi, personne fait ça en 2022. Ok. Mais Alex, c'est encore faim, mais vous êtes trop la dalle, les gens, là, c'est quoi, là? Mais la télé! Démarre la télé! Démarre la télé, frère! Démarre la télé, frère! Oh, mais Alex, tu regardes. On s'en fout du PC, je vais l'enlever ton PC dans 2 secondes là. Mais la télé, on a dit. Mais pourquoi la télé, il veut pas? Tiens, du zac. Problème avec la télé, Alex. Hein. Voilà, c'est divertissement, faut le monter, les gars. Faut monter le divertissement. Le social, on va l'avoir après avec les. C'est quoi, on va monter le divertissement avec Léa parce que là. Hop. Faut monter la tenue, voilà, ça, chérie, ta tenue, elle est belle. En amour. Et embrasser sur la joue, il faut le petit bisou. Hein, quand il n'y a pas de petit bisou, ça sent pas bon pour le couple. Voilà, il faut. Voilà, il faut. Hop. Un petit bisou, peut-être. Non seulement il monte le divertissement, et en plus il se régale. Voilà, petit bisou. Moi, je veux le petit bisou. Voilà, c'est bien. Ça régale. Ils sont en couple. À l'escorpion, on a identifié Guppy, une nouvelle espèce signalée dans certains lieux de pêche grâce à Léa Parkson. Oh, ma meuf, elle m'apprend des trucs sur la pêche alors que j'ai jamais vu pêcher une seule fois, quoi. C'est incroyable. Alors, par contre, on va essayer de faire un petit plat cuisiner ensemble avec Léa. Ça leur fait encore un peu de la relation. Et puis là, il faut qu'ils mangent tous les deux. Ils sont pas assez régalés. Allez, des pâtes à l'ail. Hop, régalez-vous, les frérots. Voilà, vous discutez un petit peu. Mais par contre, les gars, il va falloir. On travaille bientôt, les gars. Allez, on fait la cuisine ensemble. Voilà, des petits trucs à l'ail. Alors, par contre, Léa, je sais qu'elle travaille plus tôt. Donc là, ils font la cuisine ensemble ou c'est le Père Noël qui. Ah oh, ouais, regardez. Oh là là, mais. Qu'est-ce qu'elle veut, Nate? Nate, on va répondre à Nate, voir ce qu'elle veut. C'est agréable de t'entendre, Léa. Je voulais te demander si tu penses que je devrais approfondir mon amitié avec Marina Fournier. Elle semble être de bonne compagnie. Je crois que tu devrais te lancer. Pour être honnête, je sais pas trop. Allez, lance-toi. Fais ce que tu veux. Fais ce que tu veux. Régale-toi. Alex a appris, a acquis la compétence cuisine gastronomique. Ah non, Léa. La nouvelle compétence en cuisine gastronomique de Léa lui permet de préparer des plats plus raffinés. Plus votre niveau de compétence est élevé, plus vous débloquerez des recettes. Incroyable. Léa. T'as pas faim, Léa? Vas-y, va aux toilettes. Léa, il faudrait qu'elle continue à écrire un petit peu. Ouais, voilà. Améliorer. Pas améliorer le PC? Non, il faut qu'elle fasse du bricolage. Avec ce que j'ai mis là. Écrire des blagues. Non, non, pas écrire des blagues. Écrire, on va écrire un nouveau livre. Du genre. Livre de motivation. Voilà. Coaching avec Thibaut InShape. Voilà, ça va être ça le livre. Coaching avec Thibaut InShape, les gars. Hop. Petit coaching avec Thibaut InShape. Voilà. Ça va être coaching. Coaching avec Thibaut InShape. Voilà. Comment décrirez-vous ce livre? Un livre sur. Un livre sur sur la puissance des pecs. Allez hop, c'est un livre pour Thibaut. C'est Thibaut InShape qui régale aujourd'hui. Hein. Et peut-être qu'il apparaîtra un moment donné dans le jeu pour remercier Léa, on sait pas. Énergie, Alex est fatigué un petit peu. Moi je serais chaud qu'Alex il fasse. Ouais, discuter, c'est bien, mais. Fais une petite sieste, mon petit Alex, là, s'il te plaît. T'as l'air d'être un peu fatigué, je vais pas te mentir, ça me fait un peu chier. Pendant qu'elle écrive, tu fais la petite sieste qui régale. Voilà. Comme ça au moins il sera un peu plus en forme pour aller travailler. Ok, là elle travaille bientôt. Là elle travaille bientôt. Est-ce qu'il faut qu'elle monte des compétences là? Ouais, non, elle est bien. Allez, continue d'écrire. J'espère que d'ici 17h, elle aura fini de faire ce qu'elle veut là. Regardez, regardez. On va atteindre le niveau là. On va atteindre le niveau avant 17h.
Oh là là, merci Léa, allez, on continue plus tard. Léa peut désormais écrire des poèmes, elle peut également écrire des emails d'amour aux autres Sims. Mais c'est trop incroyable cette fille. Et par contre, vous êtes qui, vous, monsieur? On va inviter à l'entrée comme ça, Alex. Il... Allez, entrez, 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 c'est chez vous. Manquez le travail. Non, 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 manque pas le travail, Léa. Non, c'est dangereux. Quel travail. Et par contre, Alex, il doit pas travailler bientôt, lui. Est-ce qu'il travaille aujourd'hui, Alex? Je vais voir son planning, là. Planning. Samedi. Samedi, Alex, il travaille? Il travaille, Alex. Ok, Alex, il travaille. Il va vessiver la vessie. Et rappelle-toi de prendre une douche, le frérot. Oh non, terrible, faut réparer. Faut réparer, les gars. Voilà, c'est bien. Il se nettoie les mains. Hey, Alex, il est propre, hein. Il se nettoie les mains. Pas grave, c'est pas grave. Tu vas travailler après, hein. Ok, après, tu vas travailler. Mal à l'aise, ok. Alex a pris la compétence bricolage. De toute façon, il me l'a fallait cette compétence. Allez, 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 Alex, tu es en retard au boulot! Allez, le boulot, les gars! Allez, allez, au boulot! De toute façon, il n'y a personne qui est là, donc on va pouvoir faire avance rapide. Une foule ingérable. Léa savait bien que ce n'était pas une bonne idée de commencer son travail d'humour aussi tard. Le public commence à chahuter et elle perd vite contrôle à la situation. Elle peut crier pour attirer son attention au abandonné de cette terre. Non, non, non. On va pas commencer à faire des remarques. Alors, il faudrait rebondir sur une blague, vous voyez les gens? Attends, je vais juste me passer à recharger parce que c'est là que je tourne des vidéos. Pour la partie de la journée. Il va falloir que mon PC tienne longtemps. Pas de batterie. Je vais me recharger exceptionnellement pendant ce temps-là. Par contre, il n'y a personne qui est là, on peut pas faire une avance plus rapide. Donc, la nouvelle compétence bricolage d'Alex lui permet de récupérer des pièces dans le tas de déchets et de réparer des objets cassés. Améliorer son niveau de compétence pour débloquer de nouvelles opportunités. En fait, il fallait que je répare. Je suis désolé, les gars. C'est vrai que c'est dégueulasse et tout. Il y a quelqu'un qui était en train d'utiliser mon armoire là. Alex tenue. Alex, il a fini Alex? Non, c'est Léa. Là, elle est retour. Elle est de retour. Bon, Léa, est-ce que tu pourrais nettoyer ici, s'il te plaît, et débarrasser ça là? C'est sensible. La foule se calme et Léa parvient à s'en aller, saine et sauve. Malheureusement, la réputation lui en prend un sacré coup suite à ce spectacle incomplet. Ah, mais bon, il saoule, la vérité. Elle est mal à l'aise. Ok. Prends une portion. On va se bouffer là. Là, on va bouffer des plats pour remonter notre niveau de bouffe. Hop, tu sais quoi Léa? Dès que t'as fini, tu reprends une seconde portion. Il faut manger là. Là, il faut qu'on se régale. Alex, il va falloir finir le boulot en plus là dans quelques minutes. Non, il finit pas à 2h du mat, Alex? Il finit à 2h du mat, je crois. Ensuite, la petite vessie, on la vide aussi. Hop. On va se mettre un peu de télé quand même. On va regarder la chaîne Romance. Comme ça, on apprendra à être romantique avec Alex. Hop, et après le dodo, hein, évidemment. Après, le petit dodo. Hop, allez, un petit peu de télé. Voilà, c'est une romance vraiment incroyable. Hein. Et... On va essayer de zoomer. Est-ce qu'on peut zoomer pour regarder ce qu'il regarde? Regardez. Ok. Oh mon Dieu, elle quitte son mari. Elle prend la voiture pour exploser. Oh non, c'est le parrain. C'est le parrain en plus. Une romance. C'était Downton Abbey au début, mais en vrai, pas du tout. C'est pas du tout Downton Abbey, là. C'est le parrain, quoi, le truc. Oh là là, vas-y, t'as fini. Voilà, va dodo. Elle a compris qu'il fallait qu'elle aille dormir un petit peu là. Hop, Alex est de retour du travail. Alex a ramassé 280 dollars à la maison aujourd'hui. De plus, il a réalisé une fantastique performance au travail. Et Alex, il est bien là pour le boulot. Il est bien, il a la bonne forme. Nos tâches du jour, c'est préparer à manger, préparer des boissons. Ah, il faut que je fasse ces tâches du jour aussi. Préparer à manger, Alex, nettoie ça. Et prépare à manger, vas-y, t'as raison. Préparer un repas gastronomique. Pâte à l'ail, allez, hop. Plat individuel, comme ça il aura préparé à manger. Bon, il aura fait son objectif du jour, en plus il va régaler Alex. Non, il régale. Alex il régale, il fait son petit plat. Alex a atteint le niveau 2 de gastronomie. Donc Alex peut désormais préparer des gnocchis à la courge et du saltimbocca de poulet. Je sais pas si c'est des vrais plats. Oh, ça fait juste 25%? Et... C'est chiant. En fait, parce que moi je voudrais plus me préparer. Prépare-moi un thé à l'ail. Hey, il faut vraiment qu'Alex il ait 100%. On s'en fout qu'il dort tard. Allez, Alex, c'est quoi? Il met du temps à manger là. Même moi qui mets du temps à manger de base, je mets pas aussi longtemps que lui à manger quoi. Ah,
Allez, toi, quand après, faut que t'ailles dormir, mec, parce que là. Caché. D'où tu te caches dans un lit? Bon, allez, on va faire dodo. Hop, voilà, la nuit passe. Tout passe. Ok, on va sûrement se réveiller avec Léa en premier, donc on va mettre les. Voilà. Léa va se réveiller dans les premiers vers 9h. Est-ce qu'il travaille aujourd'hui? Qui travaille aujourd'hui, tiens? Les deux. Les deux travaillent le dimanche. Les deux le lundi, mardi. Sans repos le mercredi et jeudi, les deux, là. Ça fait plaisir, par contre. Mercredi, jeudi, on pourra se régaler avec un maximum. Ok, on est dimanche, jour férié, mais il travaille. Elle va boire la boisson qu'Alex a préparée. Hop, ça, elle se met une petite régalax le matin. Miam, 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 miam. Ok. Par contre, elle a la dalle, donc il va forcément falloir qu'elle prenne le brunch. Le bruit au bacon. Ok. Ouais, non, mais le divertissement, meuf, c'est bien, mais t'en as pas besoin. Vraiment, t'en as pas besoin. Et t'es à jour de ce côté-là. T'inquiète pas. La petite vessie après. Et après la petite douche. Hein. Hop. La petite douche, ça permet d'être propre, la petite douche. Quand Alex se réveillera, il sera en forme pour aussi faire des trucs avec lui. Tranquillement. On sait bien qu'il commence à apprendre aussi. Oh là, le niveau 4 de cuisine. Encore un niveau, on a atteint l'objectif qu'on avait visé pour cette série sur la cuisine. Après, il y en aura peut-être une amélioration, peut-être qu'elle passera le niveau 10, on verra d'ici là. J'ai pas pu voir ce qu'ils ont demandé pour le. Enfin, ce qu'elle a appris comme compétence grâce à ça, mais bon. Alors, Alex, mon pote, divertissement, t'es nul. Waouh! Alex, mon pote, tu manges même pas, tu vas lâcher de l'humour dès maintenant, comme ça, le divertissement, tu vas en avoir vite et vite, vite. Hein. Voilà, MDR. Ah, il a dit une blague sur Jessie. Très bien. Allez, on finit le divertissement, les gars. Oh mon dieu, Léa, en fait, c'est une comique. Dans mon cœur. Hop. On va cuisiner ensemble. Non. Cuisiner. Et là, j'ai pas fait un plat gastronomique parce que la flemme. Des alaka. Avec pas de tomates. En vrai, il faudrait que j'achète. Il faudrait que je puisse aller en magasin. J'espère qu'on pourra l'installer le magasin. Voilà. Il va se régalaxe. Après, c'est la petite douche. Voilà, là, ils discutent. C'est bien, ils discutent et tout. Je finis mon plat. Ah, il y a Nate qui appelle. Ok. Et Alex, je trouve Eric Martin très mignon. Tu crois que je devrais lui proposer un rencard? Allez, fonce. Sors avec lui, Eric Martin. Même si elle devrait se mettre en couple avec son collègue de voisinage. Mais bon, ça. Moi qui choisis, là, ça. Alors, ce serait à moi de gérer leur couple, tu vois. Mais c'est chaud. Allez, c'est régalaxe. La petite douche, Alex, là. Une douche méditative, voilà, comme il faut. Alors par contre, elle est en train de faire quoi? Elle est en train d'écrire son livre, là? Vive les Sims, MDR. Non, 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 elle va écrire, reprendre l'écriture de coaching avec Thibaut InShape. Il faut que Thibaut InShape, il soit au courant qu'on est en train de faire un livre sur lui. Voilà. Elle régale le livre de Thibaut InShape, qui entraîne dans les best-sellers, livre du moment. Ok, oui, pardon, on va arrêter le livre. On va lui faire le petit bisou. Je vous ai dit, il faut qu'il garde la relation, embrasser. S'il garde la relation tranquillement, voilà, ça peut aller loin. Là, ça leur met du social, en plus. Hop. Plus de choix. Oui. Plus de choix. Drôle. Faut imiter une célébrité, tiens. Hop, un petit jeu qui régale. Et puis après, ben, vous continuez vos activités, les gens. Genre Léa, toi tu te fais un petit plus rapide. Prendre des restes. Il faut prendre les restes, faut pas les laisser dans le frigo les gars. Voilà. Et le social ils sont bien. Ils parlent, ils communiquent. Oh non! Ah oui Alex, désolé, je viens de voir. Ouais, par contre toi, parlez plus, faites plus de blagues les gars, parce que là il y a le frigo à réparer en fait. Je vous avais vu. Oui, cassé quoi. T'es. Alex, c'est un frigo à réparer! Il y a tout qui est cassé! What the... Il y a le frigo à réparer. Réparer le frigo. Il répare Alex. Hop, t'as des compétences en plus en bricolage. Tu peux réparer. Inaspiré, voilà. Alex, inaspiré. Alex semble être fait pour manier le marteau de kilomètre qu'il aime le bricolage. Non, il aime pas. Il déteste ça, les gars. Je vous le dis direct. Bon, par contre, ouais, niveau tout ça là, les liens, enfin, comment on dit ça, les. Besoins, ils sont plutôt ok, hein. C'est pas ouf, ouf. Alex, mal, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi Léa elle a un appel là? Le boulot, elle a un appel, elle répond pas, elle répond pas. Ok, là on attend 23h évidemment.
Dimanche, je passe vite, hein. Je vais pas mentir, j'essaie de prononcer assez vite. Alors, Léa a eu 216 $ à la maison, enfin 6 flouzes à la maison, de plus elle a réalisé une fantastique. Léa a tenu un jour de congé. Ah, très bien, quand? Demain? Demain elle a un jour de congé là, demain? Quand elle a eu un jour de congé là? Ils disent qu'elle bosse demain, qu'est-ce que c'est cette connerie? Ok! Bon, par contre, Léa, je suis désolé, la chauffe, tu rentres, tu dois nettoyer les restes de choses qui. Chercher des pièces, oh pourquoi pas, tiens. Régale-nous là, Léa. Hop. Elle a pris la compétence bricolage grâce à ça, let's go! Bon! Léa, je parie que je vais pas regarder la fin, c'est ouais, c'est quelque chose, hein. Hop. On va servir le dîner. Non, on va servir le dîner, tiens, ce soir. Allez, du gajim. Ouais, faut qu'elle sorte le dîner. Ouais, la compétence musique, je sais qu'il faut la monter, mais. Les jours de repos, ça va permettre de monter les compétences. Là, c'est trop chaud. Trop short. Ok, la vessie, ça prend 2 secondes. Voilà, vas-y. Faire une pause cuisine et reprendre la cuisine juste après. Elle a compris, hein. Elle a pas encore mangé. Non. Prends une portion. Régale-toi. Hop. Et en plus, quand tu fais ça, tu peux même regarder la chaîne sport. Hop. Non, mais mange en même temps. Tu peux mettre la chaîne sport. Et voilà! Je peux faire les deux! Je peux faire les deux, Léa. Tu connais, hein. Hop, c'est quoi? Prendre un bain. Comme ça, elle dort, elle est en pleine forme. Hop. Ok, Alex a ramassé 286 flouzes aussi. Ok. Alex a tenu un jour de congé. Ouais, bah, c'est bien, les gars. C'est quoi? Ils vont dormir ensemble cette nuit. Ils sont chauds. C'est détendre. C'est détendre. Alors, Alex, il revient du boulot. Il a faim, forcément, donc on va le faire. Non, pas besoin de faire à manger, frérot. Léa, elle a régalé. Tu manges, tu te régales. Toi, tu manges, tu te régales. Et en plus, tu regardes la chaîne actualité. Parce que c'est vrai qu'on n'a pas vu les actualités. On ne sait pas ce qui se passe ces derniers jours à la télé. Là. Il se passe des choses de ouf. On n'est pas au courant. Qu'est-ce que je fais? Non, Léa, attends. Léa, attends. Non, on va pas dormir maintenant, Léa. Bon, attends, on va la réveiller après. Ouais, purée. Le divertissement, il est pas ouf, Alex. Et on va se détendre. Léa. Lève-toi ma pote s'il te plaît. On va se détendre les gars. Hop. On va discuter. Alex, tu fais quoi? T'en fous de la télé, Alex. Tu vois pas que la télé, personne qui s'intéresse à la télé l'an 2022. Et que toi. Hop. Bon. Non! Non! J'ai rompu! Mais j'ai rompu! Mais non! Terrible, je veux pas rompre! Ah purée, bah trop tard, j'ai fait la merde. Non, non, non. Mais non, je veux pas rompre. Je voulais pas rompre. Mais je voulais pas rompre. Mais c'est nul ce jeu. Personne veut rompre en 2022. N'importe quoi, arrêtez. Voilà, franchement, non, là par contre, c'est pas du tout ce qui était prévu au programme, les gars. Ils viennent à peine de se mettre en couple. Vous voyez, j'aurais pu faire rompre plus tard. Mais non, Alex, non, je voulais pas rompre. Non, on va dire qu'en fait elle était insomniaque et en fait elle s'est réveillée en pleine nuit, elle a voulu rompre, on va se trouver une excuse. Ah non, non, terrible les gars là par contre, non. Ah, c'est la première erreur du jeu, je voulais pas rompre du tout, mais vraiment, vraiment c'était pas l'objectif du jour. Non, c'est une erreur. Ah non, ils vont se remettre ensemble. Non, non, par contre, non, pas comme. Putain, les gars, j'ai. Je les paye. Non, non, Nate, tu peux parler aujourd'hui là, c'est bon, on est énervé là, tous les deux. Eric, avec toi aussi. Attends. Mais non, j'ai pas envie de rompre. S'excuser. Bah oui, excusez-vous. Oh purée. Bah oui, flirter. Faut flirter. Bah oui. Putain, par contre, c'est au niveau nul. La rompe. Et puis j'ai rompu, je peux plus rien faire avec eux. Regardez, je peux plus rien faire, ils sont au niveau de rivalité max. C'est nul, non. Regardez, l'amour, elle est à la mort, elle est foutue, l'amour entre eux. Oh non, je suis dégoûté. Oh non, terrible. Là, par contre, je sais pas quoi faire, là. Il a pu atteindre votre boîte aux lettres, mais j'ai réussi à y jeter la lettre. Bonne chance pour la récupérer. Quoi? Lui. Et la boîte aux lettres? On n'a pas de boîte aux lettres. Quand je paye ma facture, il est fou lui. Pourquoi Alexia repart dormir? Il y a
Mais allez, explore pas, c'est juste une erreur, c'est une erreur de. En vrai, ce que je vais faire, les amis, c'est. Bah non, je peux rien faire, c'est le jeu en fait, j'ai fait l'erreur et je dois assumer. En pleine aventure, si je modifie le passé, c'est trop tard là. Alors, je vais la mettre une boîte aux lettres, tiens, on peut acheter une boîte aux lettres, c'est ça que je vais chercher là. Et, mais comment on fait pour avoir une boîte aux lettres? C'est ça que je suis en train de demander, tiens. La boîte aux lettres. Croyons, on sait pas comment récupérer. Je sauvegarde. Je suis désolé, je suis obligé de sauvegarder. Je suis désolé pour la rupture entre les deux. Je sais pas du tout ce qui s'est passé là. Mais pourquoi j'ai rompu? Oh, je suis dégoûté. J'ai pas envie qu'ils se détestent. Ils vont m'excuser 5 fois, 100 fois. Je m'en fous qu'ils sont fatigués, qu'ils vont pas travailler aujourd'hui au pire. Demande à te rassurer. Bah oui, rassure-toi. Quoi? Demande sa personne célibataire, je sais qu'elle est célibataire, mais je demande. Il fait n'importe quoi, ce Sims. Ah oui, c'est là, le célibataire est en couple avec toi. Ils sont plus, c'est con. Les gros débilos. Putain, la rupture va durer une journée ou quoi? Oh là là, il y a tout qui est cassé entre eux. C'est terminé, j'ai détruit le jeu. Se rattraper, se rattraper. Tu peux te rattraper, c'est pas trop tard. Non. S'excuser 5 fois, excusez-vous. Ouais, s'excuser, ça marche pas. Ils veulent pas se pardonner. Regardez, c'est encore mort entre eux. Ils perdent tout leur amitié. Bon ben voilà. La mauvaise nouvelle, les amis, c'est qu'ils sont plus en couple. Ah bah là je peux rien faire et en plus j'arrive pas à rattraper le truc, c'est rouge de mode, de chez rouge. Je vais attendre le jour prochain. Et par contre Alex il fait que dormir depuis qu'il est rompu. Bah ouais voilà, ils ont tout détruit le jeu. Bon ben, prendre la toilette. Ah je suis dégoûté par contre. J'ai envie de rattraper le truc parce que là ça m'embête énormément qu'ils sont rompus les deux là. J'ai un repas rapide. Hein, voilà. Bon bah tant pis, ce qui va se passer les gars. Ce qui va se passer, c'est que je vais essayer de retrouver une nouvelle personne à mettre en couple avec Alex. Si mardi ils sont toujours dans le rouge, c'est qu'ils sont plus jamais ensemble. Et je pourrais rien faire, il faudra que je trouve une nouvelle. Mais c'est vraiment une erreur, je suis désolé. Je suis dessus encore parce qu'en vrai j'avais plein de projets encore. En fait, je voulais créer une aventure. Mais en fait, il faut se dire qu'il y a peut-être des intempéries qui pompent. Voilà. Bon bah là, je vais devoir recommencer mon aventure avec une autre personne. Ah, ça me fait chier parce que Léa, il faut que je la dégage d'ici. Bah ouais, je suis obligé, les gars. Moi, je vais moi. Vous voulez qu'il. Je vais pas vivre avec quelqu'un qui s'occupe en couple avec. On va le l'expulser maintenant, au pire. Allez. Hop. Ah non, embrasser. Oh, je vais embrasser. Attendez. Le mec, il change toujours d'envie. Embrasser. Mais embrassez-vous! On s'en fout de tes jeux vidéo! C'est nul les jeux vidéo! Mais moi j'y joue pas là aux jeux vidéo! Ah, ils s'excusent, ils s'excusent, mais il n'y a pas de bisous, il n'y a rien! On fout du travail! Voilà, là il n'y a plus rien qui va entre eux. Regardez comment ça descend. Ah, je suis dégoûté! C'est quoi qui est cassé? Un truc qui est cassé là. Oui, qui est cassé. Le truc est cassé, ouais. Vous entendez aussi, hein. Pas du tout ce qui est cassé. Le toilette. Ah, c'est le toilette, ok. Bon, allez, il va travailler, tant pis. Que non. Non, mais attends, on va réparer le toilette. Enfin, quelque chose. Je peux même pas la réparer. Placer, pas y replacer. Ah, je suis dégoûté par contre pour la relation que je viens de casser là. Ça a changé beaucoup à l'histoire du jeu. Hein. Bon, c'est quoi à faire? S'il reste plus que 3 minutes. Prochain épisode, j'ai installé un nouveau. J'ai créé un nouveau Sims. Là, je suis désolé, hein, j'ai pas le choix, je suis désolé de faire ça. Pour mettre un nouveau couple pour Alex. La personne, du coup, ça n'a pas marché. On va mettre un nouveau personnage qui arrivera dans le prochain épisode. Et la personne, en fait, elle va partir à un moment donné et. Et puis ben, du coup les objectifs qu'on avait avec elle, ben ils se feront. Elle ira sans. Peut-être qu'ils seront mettront un jour ensemble, je sais pas, mais là pour l'instant c'est mort. Quand la musique est terminée. Ouais là en plus ça a l'air d'être très bien énervé et tout, laisse tomber. C'est ce qu'on va faire.
Vous voyez ce qu'on va faire? On va faire un truc maintenant, parce que je n'aurais pas envie vraiment que ça dure 100 ans. Faire emménager un foyer de la galerie. Oui. Attendez, on va faire un truc. Là, elle est énervée, elle veut plus rester ici. Hop. Foyer. Diviser le foyer et déménager. Hop, elle part. Elle part, elle en a marre du couple, elle décide de partir. Alors allez, hot, alors hop, Léa, Léa, notre foyer, oui au creek, pour le spring. Est-ce que moi je sais pas du tout où on est où nous? On était voulu au creek. Pas dans le monde, Martin. Si, mais. Ah, si, les pèlerins, regardez, ils sont là. Quel nouveau foyer? On t'a transféré. Allez, elle avait 20 000 avec elle. On va leur donner 20 000. Elle s'en va. Et voilà, et oui, les amis, elle s'en va. C'est la fin. Enfin, ouais, Léa, j'arriverai pas à m'en mettre. C'est quoi, Léa? Elle va être ici. Et la prochaine fois qu'on la croisera, Léa, elle habitera pas loin de chez nous. Ce sera notre voisine. Voilà, let's go. Par contre, nous, on ne suit pas l'aventure de Léa. Hein. Nous, on suit l'aventure du Don Alex, évidemment, la personnage principale. Hop! On est content, c'est beau. On va faire une sauvegarde dessous. Léa, la famille Parkson. Voilà, la famille Parkson, c'est ici, ça régale. Ok, nous, par contre, on va faire gérer les mondes. Hop! Regardez, gérer les mondes. Et nous, on va aller voir le Don Alex. Et puis, on va reprendre l'aventure avec le Don Alex. Hein, écoutez. Voilà. Don Alex se retrouve tout seul. De nouveaux objectifs devront être remis dans le prochain épisode. Hélas, désolé pour les objectifs ratés. Mais en même temps, j'ai fait une erreur. Allez, c'était le premier chef de partie. Bah voilà, on revient, il régale. Hop, allez, on va mettre pause. De toute façon, on va commenter tout ce qui s'est passé. On va arrêter l'épisode ici. Donc Alex, il est chef de partie, il a été promu au chef de partie. Il gagnera désormais 8 $ du Simflouz de plus par heure, soit 43 Simflouz de l'heure au total. Il a également reçu un bonus, 556 Simflouz. Ilo, chic d'entreprise, nouveaux vêtements. Sa prochaine journée de travail commence vendredi 14 h. Il fait 14 h-22 h, il travaille pas mardi, mercredi, jeudi, donc c'est bien, il va pouvoir trouver une relation. En fait, il va se mettre une relation avec le nouveau personnage qui va arriver dans le prochain épisode. Et après, voilà, on fera des nouveaux objectifs avec cette personne-là. Alex, il a bientôt atteint. Il a atteint petit à petit hein, son niveau de carrière, là, il commence à le comprendre. Donc, résumé de cet épisode est incroyable. Rupture, surprise. J'ai fait une erreur, j'ai fait un misclick. Je fais plus jamais des clics rapides sur les relations de Sims. Quand il y a un truc de relations Sims, je prends mon temps. Je fais plus rapidement les choix parce que regardez ce qui s'est passé avec Léa et Alex. Donc, prochain objectif. Créer un nouveau Sims, prochain épisode. Installer, donc il y aura Léa avec sa maison. Il y aura un guest qui sera là aussi, une star qui sera dans l'épisode, vous verrez. Un guest. Alors, un guest, une maison pour Léa, un nouveau Sims, une nouvelle fois être petit ami avec ce Sims. Carrière mixologie niveau 5, carrière niveau 10, fitness niveau 10. Voilà, on a tous ces objectifs-là à réaliser. En tout cas, j'espère que vous avez passé un bon moment. Plein de love et de bisous à vous, désolé pour la rupture, j'espère que vous ne serez pas trop triste que Léa n'est plus avec Alex, ça a duré tellement peu de temps que personne ne va s'y attendre dans cet épisode. En tout cas, du love et des bisous, à très vite, c'était Alex, ciao tout le monde, je vous adore beaucoup.